Good morgen, alle Iden. Nous sommes le mercredi 26 Nissan 5776 et l'étude sera le Mishmat Rachel Batsara et l'Irfouat Arav Yosef Chaim ben Emma Simcha, Chaim Dan ben Adassa, Tzipora bat Shoshana. Nous étudions Baba Kama Perek Yud, Mishnah Tet, Agonev Tale Mina Eder, Mishnah Chet, excusez-moi, Perek Yud, Mishnah Chet, Agonev Tale Mina Eder, Vechaziro Vamet Onignav, Chayav Bachar Yuto. לא ידעו בעלים, לא בגנבתו ולא בחזרתו, ומנו את הצון ושלמאי פטור. משנה, facile et intéressante, il y a juste un problème technique, on ne peut pas tellement la lire dans les mots. Il y a une difficulté, il y a une certaine anomalie dans la Mishnah. La Gemara débat longuement sur l'explication de la Mishnah, il y a quatre pirushim, ça va dans tous les sens. Pour notre propos, on va retenir un seul avis, celui du Barthénora. C'est le Barthénora qui a retenu un seul avis en fait de la Gemara. Seulement, expliquer la Mishnah de cette façon, ça requiert d'introduire quelques mots supplémentaires dans la Mishnah pour qu'elle devienne lisible. De ce fait, on va d'abord donner à l'oral tout et à la chot, on va expliquer. Et puis ensuite, on lira la Mishnah, on la traduira, et on fera rentrer les mots supplémentaires, et puis ensuite on fera le Barthénora, bien sûr, comme le jour. Et on commence d'abord par préciser de quoi on parle. On est en train de parler ici des lois de la restitution d'un vol. Lorsqu'on va d'abord parler un cas qui est justement pas le cas de la Mishnah, le cas où on vole un objet, à la différence de la Mishnah qui va parler du cas où on vole un animal. Lorsqu'on vole un objet, alors que la personne volée ait pris connaissance ou non de l'objet qui a été volé, je ne suis pas obligé de lui faire savoir lorsque je lui restitue l'objet. C'est-à-dire, si je fais tchouva et j'ai honte qu'il voie que j'ai été un voleur, donc je décide en fait de lui mettre dans sa poche le billet que je lui ai volé, en fait je décide de lui mettre dans l'autre poche, puis il va croire qu'en fait, oh, il avait la tête en l'air ce jour-là, il va pas réaliser que c'est moi qui ai volé, en fait ensuite que j'ai fait tu vois, d'accord? Est-ce que ça marche d'abord de restituer l'objet volé de cette manière? Alors, concrètement, on va retenir une directive importante, ça marche à condition que la personne volée ait conscience qu'il ait cet objet de valeur dans telle poche. Autrement, il va négliger de surveiller sa poche, il va se le refaire voler. Il s'avère que l'objet que j'aurais volé, donc le billet de 100 shekels, on va prendre un cas où je l'ai piqué 100 shekels, et 3 heures après, je vais faire tchouva, et je lui remets discrètement dans sa petite poche de la veste, là, sur le côté. Alors, concrètement, il y a un problème. C'est que lorsque j'ai volé, je suis désormais responsable d'assurer que je suis responsable, normalement, de lui rembourser ce billet de 100 shekels. D'accord ? C'est une responsabilité totale. Si l'objet se fait brûle ou peu importe, par quel moyen il disparaît, comme ce qu'on a déjà appris depuis plusieurs jours maintenant, les Kinyané Xela vont faire que l'objet, il est pour le moment à moi, je le fais sortir de chez lui. Si l'objet disparaît, je dois lui donner sa contre-valeur, je dois lui rembourser les 100 shekels. Donc, partant de ce principe, si je décide de lui rendre l'objet, je le mets dans sa propriété, je suis obligé de le mettre dans sa propriété, bien sûr. Je remets l'objet dans sa propriété, mais de manière à ce qu'il ne va pas le surveiller. Il s'avère que maintenant, ouais, pourquoi il va pas le surveiller, par exemple? Il sait pas qu'il a un billet de 100 shekels dans la poche ici. Donc peut-être qu'il va avoir besoin il va avoir chaud, il va enlever sa veste, il va la poser n'importe où, et il va plus surveiller sa poche. Il y a quelqu'un qui va venir qui va voler 100 shekels. S'il était au courant qu'il avait ce billet dans la poche, alors il aurait fait attention maintenant. Mais puisque je le restitue sans lui faire savoir qu'il a maintenant 100 shekels dans la poche, alors j'ai un problème. On considère que je n'ai pas encore restitué ce billet. D'accord, même si concrètement il arrive dans sa propriété. Jusqu'à que le propriétaire prenne connaissance qu'il a 100 shekels dans la poche. Ce n'est pas nécessaire qu'il le sache. Il n'a pas besoin de savoir que l'objet a été volé et restitué. Il suffit uniquement qu'il sache qu'il a un billet de 100 shekels dans la poche. Maintenant, il va le surveiller. Ça s'appelle que je lui ai restitué pleinement, de manière à ce qu'il va désormais surveiller son bien. Ça, c'était l'introduction à la Mishnah. On a parlé pour le moment d'un objet, d'accord, inerte. À la différence d'un animal. Lorsque je vole un animal, je dois nécessairement lui faire savoir que l'animal a été volé et restitué. Je n'ai pas besoin de l'affronter, d'affronter son regard, et je n'ai pas besoin d'avoir honte, mais en tout cas, je peux même lui laisser un mot. Cet animal a été volé, et j'ai fait tchouva, je l'ai restitué. Surveille-le maintenant désormais. Pourquoi? Raison très simple. La chèvre de Monsieur Seguin. Cet animal maintenant, lorsque je l'ai volé, et jusqu'à maintenant, il était dans tel pâturage,
il connaissait rien d'autre de la contrée. Et puis maintenant, il est parti, il a vu un joli monde autour de lui, il a découvert qu'il y avait là-bas des coquelicots et des tulipes à brouter, c'est bien plus agréable que l'herbe verte. Et puis maintenant, si je le restitue sans faire savoir au propriétaire, alors c'est vrai que cet animal maintenant, il va vouloir aller gambader, il va plus vouloir rester attaché, il va se sentir mal. D'accord ? Il a envie de voir du monde. Donc, je dois impérativement faire savoir au propriétaire, attention, l'animal est revenu dans ta propriété, jette un œil supplémentaire sur cet animal, surveille-le très bien. Et si je ne fais pas ça, alors on considère que je n'ai pas restitué l'animal. Et donc on va être confronté maintenant à deux situations. La première situation, c'est le cas où le propriétaire n'a pas été au courant que l'animal a été volé. D'accord ? Donc je dois impérativement lui faire savoir que j'ai restitué l'animal. Et même si au bout du compte, il va compter son troupeau et réaliser qu'il avait 20 bêtes, autant qu'il avait 20 bêtes initialement, il a toujours 20 bêtes. Il va dire, c'est bon, aucune bête n'a été perdue. Ça ne marche pas. Même s'il sait qu'il a cet animal-là, ouais, il sait maintenant qu'il a les 20 animaux, malgré tout, il va plus surveiller avec ce niveau de surveillance supplémentaire, il va plus surveiller cet animal particulièrement. Par contre, s'il sait qu'il y a une bête qui a été volée, il a compté il y a 3 heures les animaux, et il n'en a trouvé que 19. Il a compris qu'il s'en est fait voler une. Il a fait que de compter, recompter, recompter, de chercher partout. L'animal, c'est sûr, il s'est fait voler. Et puis, après 3 heures, je décide de faire tchouva et je lui rends l'animal. Et puis maintenant, il va compter les animaux, il va réaliser qu'il arrive à en avoir 20. Alors là, il va avoir le déclic, il va se dire, ah, le voleur a fait tchouva. Et donc, maintenant, il faut que je surveille mieux mes animaux. Dans ce cas-là, je m'acquitte du Chiyuv HaShava, de restituer le vol, à partir du moment où je le remets dans sa propriété et qu'il les compte. L'idée est très simple. Nahon. Et ben maintenant, on va faire ça dans les mots de la Mishnah. Ça va pas être tellement compliqué. Il va juste falloir rajouter une petite phrase découpée. Il y a un point, une virgule. Bon, on va voir tout de suite. Agonev Tale Min Ha'eder Ve'echeziro. Tale, c'est une brebis. Celui qui vole. Un agneau plutôt. Celui qui vole un agneau, min ha'eder, d'un troupeau. Ve'echeziro. Et ensuite, il rend ce petit agneau. Et ensuite, va mettre onignav. Et cet agneau, finalement, meurt ou se fait voler de nouveau. Par ma faute ou sans ma faute. Peu importe. Malgré tout, chayav ba'achariyoto. Le voleur reste responsable. Et donc, est encore imposé de couvrir ses frais, d'accord ? Il reste responsable. Alors là, c'est là où il y a le problème, où il faut lire. Il faut rajouter cette phrase. Vehu, attention, le cas que je t'ai appris. Vehu, chez lo yad'u ba'alim lo begnevato lo bechazirato. On ne parle du cas, cet halakha n'est en vigueur que lorsque lo yad'u ba'alim lo begnevato velo bechazirato, dans le cas où le propriétaire n'a pas pris connaissance ni du vol, ni même de la chazara, de la restitution du vol. C'est-à-dire, même si finalement le propriétaire n'a pas pris connaissance du vol, mais que malgré tout il sait qu'il a maintenant 20 animaux, il les a tous comptés, malgré tout, le voleur reste responsable de rembourser, de couvrir les pertes. C'est au cas où l'animal meurt. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il n'a pas du tout restitué encore l'animal. Restituer un vol, ça implique, autant que voler, c'est arracher de la propriété de la personne volée. Restituer, ça implique le réimplanter chez lui. Et si, géographiquement, l'animal se trouve chez lui, mais sans avoir fait qu'il ait son emprise qui revienne pleinement, en prenant connaissance des risques et tout ça, alors on considère que je ne l'ai pas encore rendu, l'animal est encore dans la rue, même si concrètement, géographiquement, il se retrouve dans sa propriété. D'accord ? Maintenant, la fin de la Mishnah nous renseigne. Il manque encore une phrase. C'est un style de Mishnah, c'est assez compliqué, mais ça arrive des fois dans le chasse, où il y a des Mishnayot, je ne sais pas pourquoi. Il y a des mots qui ont été perdus dans la Mishnah, et la Mishnah de la Gemara nous dit non, Chisure Mirsera Vahri Katane. Il manque des mots dans la Mishnah, mais il faut la lire de cette manière. Donc là, il faut rajouter une phrase qui dit, par contre, Aval, im yad ou abalim begnevato, ou manu atatson, ou shlemaï patour. Ouais, c'est une phrase, un petit bout de phrase à rajouter. Ça, c'est perdu
Ouais. Jusqu'à ce qu'ils ont amené la Mishnah à l'imprimerie, la phrase elle est tombée par terre, apparemment, je sais pas. Donc, si le Yadoua le propriétaire a su que l'animal a été volé. Vous le trouvez pas dans le texte, c'est une phrase que je vous rajoute qui est ramenée dans la Gemara, d'accord? Et ensuite, au Manu et Tatson ou Shilemaï, et qu'ensuite, ils ont compté le troupeau. Ou Shilemaï, et il s'avère qu'il est complet. Les 20 animaux sont là. Patour, le voleur est désormais dispensé de couvrir les frais éventuels si l'animal meurt ou se fait voler de nouveau. Voilà pour la Mishnah. On fait à présent le Barthénora. Chayav ba'achariyuto. On se rapporte donc, c'est la première partie de la Mishnah, lorsque le propriétaire ne savait pas qu'il a été volé. On a dit Chayav ba'achariyuto. Il nous explique pourquoi est-ce qu'il est Chayav ba'achariyuto, que le voleur reste responsable de couvrir les frais. Pourquoi? Des mechiganva kamle birshuté. Parce que depuis le moment où il a volé l'animal, il lui a fait meshicha, il a tiré l'animal, donc, ouais, kamle birshuté, l'animal est désormais dans sa propriété du voleur. Vachava de avad, la vachavahi. Et la restitution qu'il a fait n'est pas une bonne restitution. C'est pas une bonne hashava. Hashava d'exala. Veshivet exala shavazal, c'est la chaîne du pasuk. Veim lo yad obo. Alors là, le Barthénora, donc. Ouais, c'était la phrase problématique. Le Barthénora nous enseigne comment lire la Mishnah. Matnitin achi mitartza. Comme ça, il faut répondre, interpréter la Mishnah. Chayav ba'achariyuto ben manu, ben lo manu. Il est responsable. Il rajoute plus de mots que ce que je vous ai dit en fait. Chayav ba'achariyuto, il est responsable. Encore, il reste responsable sur cet animal. Ben manu, ben lo manu. Qu'il ait compté son troupeau ou qu'il n'ait pas compté son troupeau. Et ma taille, dans quel cas je t'ai dit cette halakha, qu'il reste responsable. Bisman shelo yad obo abealim begnevato bechazerato. Dans le cas uniquement où le propriétaire n'a pas pris connaissance ni du vol ni de la restitution. Aval yad obo abealim begnevato manu et atson vehish lema. Par contre, si le propriétaire savait que l'animal a été volé et qu'il a ensuite compté. Umanu et Hatson veishlema. Donc là, le Barthénora, ça y est, il est revenu sur la Mishnah. Il a refait rentrer la phrase de la Mishnah Umanu et Hatson veishlema. Donc il a compté le troupeau et il s'avère qu'il est complet. Pas tourné les chalem. Le voleur sera désormais dispensé de couvrir les pertes éventuelles de cet animal volé. Vahri Pirusha. Une fois que le Barthénora nous enseigne comment lire, maintenant il va nous l'interpréter cette Mishnah. Et comme ça, elle est son explication. Met onignav hatale leachar shechaziro aganav. S'il est mort ou il a été volé la brebis. Le mouton. L'agneau. Ah, désolé. Met onignav hatale. S'il est mort ou il a été volé l'agneau. Leachar shechaziro aganav. Après qu'il a été restitué, chayav ba'achariyuto, le voleur reste responsable sur cet animal. Ben shemanu abealim atzon veishlema ben shelomanu atzon, que le propriétaire ait compté ou non son troupeau, comme ce que l'on a expliqué, parce qu'il n'a pas pris connaissance que l'animal est parti faire un tour et qu'il a vu les coquelicots et les tulipes. Et matai bisman shelo yadu abealim begneva tatale. On parle uniquement dans le cas où le propriétaire n'a pas pris connaissance du vol de son agneau. Chez Kolzman, chez Iregila, la Tzedchutz, ça rire les Isaër, Bayoter. Parce qu'à partir de. Chez Kolzman, chez Iregila, la Tzedchutz, tout troupeau, tout animal, tout menu bétail, gros bétail, peu importe, qui a pris l'habitude de sortir dehors, ça rire les Isaër, Bayoter. Il doit désormais la surveiller davantage, bien plus. Vezo, Hoil, Velo Yadou, Abéani, Megnevata. Et cet animal, puisque le propriétaire ne savait pas qu'elle est partie faire un tour dehors, et qu'elle est désormais, elle a pris l'habitude, elle a pris son indépendance, cette jeune adolescente. D'accord, velonizharuba, et puis le propriétaire, lonizharba, il a pas fait, maintenant il ne fait plus attention à elle particulièrement. Chayav ganav lechalem, le ganav, le voleur, est responsable de la rembourser au cas où elle disparaît. Pourquoi? Parce que c'est par sa faute que cet animal maintenant se fait perdre.
On va pas trop rentrer dans les détails, il y a une certaine arichout dans le Tosot Yom Tov. Les mots du Bartanor après ta confusion, retenez ce que je vous explique à l'oral. Il y a ici un Chidushé Ma'ariyar qui répond le Tosot Yom Tov. Il y a un mot. En tout cas, retenez juste l'idée. Le voleur sera responsable sur cet animal parce qu'il ne l'a pas restitué, comme le Bartanor nous l'a dit au début. Même si finalement... Allez, je vous explique le problème quand même. Il y a ici la phrase du Bartanor laisse sous-entendre que le voleur n'est responsable sur la mort de l'animal uniquement si finalement c'est par sa cause que l'animal est finalement mort. C'est-à-dire, une fois qu'il a restitué l'animal, l'animal est quand même sorti et puis, en partant dans la montagne, il s'est fait là-bas manger par un loup. D'accord ? Or, c'est faux. C'est faux parce qu'on parle, même s'il a restitué l'animal, il l'a remise dans la propriété du berger. Et que finalement, l'animal fait une crise cardiaque. Vraiment aucun rapport avec le fait qu'il ait fait sortir. Aucune raison. Malgré tout, le voleur sera responsable de le restituer. Il y a un problème dans le mot du Bartanura, mais je pense qu'on s'arrête là. On ne va pas trop alourdir. Aval im yadu abealim begnerat atale ve'achavkach manu atzon ve'nimtzat shilema she'uchzar atale aganuv. Par contre, im yadu abealim begnerat atale. Le propriétaire savait que l'animal s'est fait voler. D'accord ? Il a remarqué qu'il lui manquait, comme on a pris le cas, il lui restait plus que 19 bêtes, il les a comptées, il a cherché dans toute la vallée, il les a habillées, il n'a pas trouvé. Et puis finalement, 4 heures après, il recompte encore une fois et il réalise que quoi ? Il recompte le troupeau et il réalise qu'il y en a 20 à présent. Imken gvariad osh yesh tson achad shenumudalat set chutz. Le propriétaire va directement faire tilt, il va tout de suite comprendre qu'il y a un animal qui s'est permis de partir, de sortir dehors. Peu importe s'il est sorti finalement tout seul ou s'il a été volé par quelqu'un d'autre. Il suffit uniquement qu'il réalise qu'il y a un animal qui n'a plus maintenant, qui connaît maintenant la route pour partir brouter les coquelicots. Vaya, laem, le isaherba. Et donc le propriétaire, maintenant, sait pertinemment qu'il doit mieux surveiller son troupeau. Vimlo nizharu, inhu de afsud. Et donc s'il n'a plus fait attention à le surveiller, c'est lui qui s'est occasionné sa propre perte. Ou patour aganav mileshalem. Et le voleur sera dispensé de rembourser. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol tov, c'est là.